Hop, je vais reprévenir les gens. À mon avis, plusieurs personnes vont venir, mais il y a un petit temps de latence, le temps qu'ils puissent regarder le retour du stream. En tout cas, Alexandre, il faudra absolument que tu reviennes à d'autres faire d'autres interventions. Parce que tu apportes vraiment beaucoup de construction, enfin, beaucoup d'idées autour de l'information qui sont très intéressantes et tu nous aides à construire une pensée qui est vraiment très intéressante. C'est grâce à vous. Moi, j'y Oui. avais pas pensé. C'est le billard des esprits. Quoique, en disant ça, putain, vivement la fin du confinement, qu'on puisse aller se faire un billard et une bonne mousse. Pouf. Putain, c'est clair, ils doivent te manquer les PMU si tu Oh là 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 si en là. plus c'est ton lieu, c'est un de tes lieux de prédilection. Ah non, mais le dernier terrain que j'ai commencé, c'était ce deuil-là, quoi. J'arrive, c'est à Chevrières, une petite commune en Picardie, juste à côté de Compiègne. Et ils avaient fermé et tout, il restait que le comptoir avec les clopes, et ils m'ont dit, si on doit toucher notre trésor, on ferme. Et ben, ils ont fermé. Et commencer le terrain sans eux, c'était la mort. Ah ouais. Parce que tu entends tout, tu vois, c'est hyper marrant. Tu restes. Je sais pas, un après-midi à écouter les conversations, puis tu te présentes, hein, tu dis, moi je suis là pour bosser sur le coin, j'ai besoin de savoir. Les gens te parlent, enfin c'est. Ouais, j'aime beaucoup cette ambiance café, bistrot qu'il y a dans les rues et ouais, j'habite dans une petite ville de 5 000 habitants, c'est beaucoup ça. Donc quand ça a fermé, bah, il y a certains bars qui ont tenu la première semaine en mode oh, on sert des coups à boire dans des verres en gobelet et aller discuter un peu plus loin, quoi. Enfin, dans des gobelets. Mais bon, ça fait un. Sur le côté social, il y a un gros impact. Ouais, et puis dans l'Oise, ils ont été super touchés. Et puis, ouais, t'as. Enfin, c'est une drôle, c'est un drôle de mélange, cette commune-là, mais on pourrait en faire un numéro une autre fois. Donc là, si je comprends bien, on est dans un amphi où viennent discuter ceux qui veulent discuter de tous les sujets. Voilà. D'ailleurs, je voulais te proposer, là, à peu près une petite vingtaine. Donc, si tu veux, on peut soit continuer les questions à l'écrit, ou soit je peux À l'oral, m'arranger c'est bien l'oral. pour tous ceux qui souhaitent parler, je vais démuter votre micro. Alors, je vais déjà configurer le salon. Pendant que l'ours ne fait pas préciser qu'il y a 8 ans de l'âge avec nous. Ouais, Ah. Yvon, on entend très mal dans ton micro, mais on a compris que tu disais que Victor était avec nous. Victor, d'ailleurs, tu peux réactiver ton micro si tu veux intervenir aussi, comme tout le monde. J'avais pas vu. Salut Victor. Allô, allô? Allô. Impeccable. C'est les changements de plateau, ça. Ah, Alors. je disais, je crois, salut tout le monde, je suis en train de vous écouter et tout va bien. Salut Victor. Parfait. Salut. Je suis en train de réhabiliter le micro de tout le monde, donc j'ai quand même mis en push to talk. Donc, il y a une petite manipulation si vous ne connaissez pas pour pouvoir parler. Il faut aller dans paramètres, voix et vidéo, et utiliser la détection pour parler. Après, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton et parler. Il faut choisir un raccourci. Il n'est pas tout le temps choisi par défaut. Donc, en dessous de l'option appuyer pour parler, faites attention à bien choisir un raccourci qui fonctionne pour vous. Par commodité, la plupart du temps, les gens mettent espace, mais vous pouvez mettre le bouton que vous voulez sur le clavier, ça marchera. Je tiens à préciser que le salon, on est sur écoute, Big Brother est là. Bisous. La conversation continue à être enregistrée ici, donc pour les plus timides, vous pouvez toujours poser des questions dans la question écrite. On checkera quand même régulièrement. Voilà, vos micros sont découpés, donc tous ceux qui veulent interagir, je vous en prie. RP, pour te répondre à ta question, si ça fait pas trop de monde pour jouer en vocal, bah hier, en fait, on a testé, on était plus que ça encore, justement, il y avait encore Victor,
Et ma foi, ça s'est plutôt bien passé. On n'est pas resté avec toi jusqu'à la fin, Victor, parce qu'on était en train de débrief. Mais tu es resté jusqu'à 1h30 du matin et ça avait l'air d'être bien intéressant ce que vous disiez. Enfin, voilà, si vous voulez rebondir à ce que disait Alexandre, ou Alexandre, si tu as des sujets qui te viennent là aussi, entre les deux. Entre les deux plateaux, là, si tu as des sujets qui te sont venus, tu aimerais aborder aussi. Je sais pas, on va peut-être laisser quand même la possibilité aux autres de parler, mais si personne ne veut reprendre la parole, je vais me lancer. Allez, les autres. Si vous avez du mal pour configurer le appuyer pour parler, on est suffisamment, je peux vous montrer, je peux vous partager mon écran et vous montrer comment on fait. Hein. Je veux dire, la manipulation est toute rapide. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans l'amphi 2. Hop. Et je vous montre ça. Les petites problématiques techniques. Bah, du coup, je vais me lancer, Alexandre. Comment t'en es venu à t'intéresser autant à cette notion d'information puisque peut-être. On sent que c'est une question qui est. Enfin, c'est une notion qui est vraiment majeure dans ta réflexion. Et du coup, je me demande d'où elle vient. Probablement d'avoir participé à un projet européen. Un large scale pilot qui s'appelait Activage, qui est en gros l'effort européen pour produire un champion de l'Internet des objets, qui évidemment n'aboutit à rien du tout, une ligne de code de middleware, et puis c'est tout, et qui ne servira à rien, et pour lequel on a dépensé plusieurs dizaines de millions d'euros. Et dans lequel j'ai vraiment pu, m'apercevoir à quelle ampleur l'information était essentiellement utilisée, non pas pour contrôler, hein, c'était pas Big Brother, mais pour vendre. Et en priant telle ou telle institution de trouver un usage, en utilisant la promesse d'information déjà comme un investissement possible, enfin, c'était vraiment uniquement un produit marketing, d'un côté, et puis de l'autre, de voir comment les terrains que j'impulsais dans les différents pays où je devais évaluer l'action, produisaient tous infiniment plus de qualité d'information que... Je vais vous donner des exemples pour être plus concret. Par exemple, donc il y avait 9 sites de déploiement dans 7 pays dans lesquels on utilisait des objets connectés pour monitorer des vieux et ensuite on cherchait à vendre l'information. Quoi. Et peut-être le meilleur endroit où ça a été vendu, c'est Saint-Jacques-de-Compostelle, dans laquelle la Croix-Rouge locale était d'accord pour acheter les résultats du monitoring parce que ça leur permettait d'optimiser le moment où leur call center appelait les petits vieux. Alors forcément, ils n'étaient pas prêts à payer beaucoup pour un monitoring complet de la vie des petits vieux, mais en gros, ils disaient, ça peut peut-être nous servir à quelque chose, par exemple, si on doit les appeler... une fois par semaine ou une fois par mois, on ne les appellera pas quand ils sont aux toilettes ou quand ils sont dehors. Vous voyez le niveau de valeur que ça peut avoir. Ça venait corroborer une grosse journée que j'avais organisée sur le Big Data, et notamment le Big Data en santé, avec des mutuelles. On avait invité le groupe DocaPost parce qu'ils étaient les plus avancés dans la collecte de data de manière massive sur les vieux, et qui nous avait dit, une fois qu'on avait bien déconstruit leur truc, mais vous savez, nous, en fait, on n'a pas de business model pour l'instant. On sait comment acquérir les données, on sait comment vendre l'idée, mais on ne sait pas du tout comment valoriser ce stock de données-là. Elle est beaucoup trop chère à recueillir pour pouvoir être valorisée. Et donc, j'ai vraiment pris l'habitude de voir passer des informations sur l'information qui survalorisaient totalement l'information. Et puis, ça venait avec un parcours personnel qui est que j'ai eu l'état de diplôme au début, machin, tout ça. J'avais peut-être même trop de diplômes pour avoir le profil pour être pris à la fac, et puis un profil très, très bizarre. Donc moi, j'ai un doctorat en philo, un doctorat en sociaux, j'ai fait Sciences Po,
Je suis parti travailler juste après sur la souffrance psychique au travail au Québec. Enfin, bon, un drôle de processus. T'as quel âge ? J'ai 38 ans. Ok. Et donc, et par ailleurs, très tôt, j'ai commencé à bosser pour des assos, vu que ça va avec ma doctrine politique, et à gagner bien ma vie. Donc, ça devenait complètement un non-sens de devenir maître de conf, parce que je remarquais qu'ils n'avaient pas de liberté pour penser, qu'on leur pourrissait la vie avec des vies administratives à la con. Enfin, à la fois, ils ne voulaient pas de moi, puis je n'avais pas très envie d'y aller. Donc, moi, je me suis détourné, j'ai commencé à bosser beaucoup pour des assos. Et la dernière dans laquelle je me suis trouvé, qui m'a amené à tous les terrains dont je vous ai parlé, c'est une assos d'évaluation des politiques de santé, des services de santé, des technologies de santé. Et moi, ouais, c'était le dernier pas, en fait, cette assos-là, où donc on était en quelque sorte tous associés au même niveau. C'était mon dernier pas vers l'indépendance totale. Là, maintenant, je ne travaille plus que pour moi. C'est-à-dire que moi, je suis un anthropologue et j'ai des clients, un bailleur social, une région, un État, mais c'est moi qui suis le... Et le boulot que je produis et qui est valorisé par ces clients-là, c'est véritablement de la promenade où je rencontre les gens et je produis des descriptions de qualité en portant la parole des gens. Voilà, je suis devenu ça. C'est ça que j'appelle les conférences de traverse. C'est quand les gens que je suis venu voir me demandent de venir leur rendre des comptes. Et je vais les voir et je leur raconte ben voilà, comment c'était dans le pays, qu'est-ce que j'ai pu voir, quels sont les ressorts hyper importants culturels qu'ils ont pu développer, etc. Et ça, c'est devenu la matrice de mon activité. Bon, comme j'ai dû emprunter beaucoup d'argent pour acheter mon appartement et ma maison, ma maison, puisque les ménages d'appart en maison, faut que je gagne des sous, faut que je continue à avoir une activité, mais j'ai mis un certain temps à me purifier de ça. Et probablement que je me suis aperçu, d'ailleurs je ne vous l'ai pas lu, mais c'était un des trucs qui commençait le propos que j'avais envie de faire ce soir, c'était moi je ne fais pas d'information. Je suis un sociologue et je ne fais jamais d'information. Ce que je fais, c'est de la mise en parole, je fais parler les gens, et de la transmission de parole, et de l'interprétation de parole. Et donc voilà, c'est comme, tu vois, j'avais enfin fini à cette espèce de long dépatouillage d'un milieu dans lequel l'information est le symbole du business, en quelque sorte, le jouet avec lequel on joue, pour produire de l'argent qui circule en dehors de la société et en dehors de la vie commune, quoi. Donc voilà, c'est comme une forme d'extraction dont vous avez été les victimes. Voilà. C'est vraiment passionnant, notamment ces... tu les appelles comment ces trucs de traverse ? Conférences de traverse ? Ouais, ça s'appelait les conférences de traverse, dit ça s'appelait parce que ça a donné un bouquin. Qui a été corrigé de manière collaborative d'ailleurs par les abonnés de ma chaîne, notamment une chez qui je suis allé faire une conférence de traverse avec sa petite famille à Villeurbanne, qui est absolument géniale. Donc ça va être publié, maintenant ça va s'appeler à cause des éditeurs parce qu'ils sont la France de traverse, mais enfin peu importe. C'est dommage. Ouais, parce qu'en période de Covid, c'est tellement dur de publier des trucs que tu es obligé d'écouter les éditeurs. C'est pénible. Ouais, d'accord. Je vois. Oui. Okay, je trouve le sujet vraiment, vraiment passionnant, notamment du coup, de ce que je comprends de ta démarche, de te déplacer de lieu en lieu, passer du temps avec les gens, écouter les... C'est banal, mais tu vois, dans le moment donné, en gros, c'est de dire on a traversé la fin du monde, ça y est, là. On est déjà dans des ruines, en vrai. Ça va, des tas de choses vont s'effondrer encore, mais la base, c'est-à-dire que nous sommes incapables de nous réformer en fonction de nos erreurs, c'est déjà là. Bon, et une fois ça dit, moi, je vais traverser le pays et voir ce qui fait qu'on s'aime encore un peu. Voilà, donc je prends mon sac et je traverse le pays pour voir... ce qui nous est permis d'espérer, comment on peut s'aimer encore un peu, et puis où est-ce qu'il y a des manières de faire, de dire, mais pas des choses exceptionnelles, vraiment des choses qui, dans ce qui nous est commun, réagit bien, renaît, refleurit, enfin voilà, c'est ça l'idée. Ah, chouette. J'aime bien cette façon de voir des choses. Je sais pas si t'as capté, il y a le canal écrit question en FIDE, je pense que toutes les personnes n'arrivent pas à... Okay. Ou ne peuvent pas s'exprimer vocalement. Donc, si tu veux récupérer des questions ici, si tu veux que je te les pose, c'est toi qui vois. On n'est pas nombreux, donc on peut y aller un peu à la cool.
Pourquoi les religions ont-elles autant de poids sur la société? Vous avez 4 heures. Mais non, j'ai pas 4 heures. Mais non, ça c'est une... c'est une double illusion d'optique. C'est une double illusion d'optique. La première illusion d'optique, c'est de croire que les religions sont en bonne santé en France aujourd'hui. Elles sont pas en bonne santé en France aujourd'hui. Si vous prenez les chiffres de la population croyante et de la population athée, on est plutôt dans le registre d'une baisse continue, et d'une baisse continue de l'influence du clergé, des clergés, sur la décision publique. L'ordolibéralisme a beaucoup plus d'influence sur la décision publique que le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme, l'islam, le bouddhisme, tout ce que vous voulez. Et la deuxième illusion d'optique, c'est de ne pas voir quelles sont les véritables religions qui sont à l'œuvre. Et les fanatismes qui sont à l'œuvre en réalité. Et ce sont des fanatismes sans transcendance. Ce sont des fanatismes sans Dieu. L'ordolibéralisme et l'ultralibéralisme sont des fanatismes sans Dieu. Voilà. Donc c'est ça qui est... Et quand ensuite un pouvoir, et c'est différent selon les différents pays d'Europe, mais quand un pouvoir se sert du colifichet religion, c'est pour dire... nous voulons des êtres fonctionnels et pas des êtres qui résistent qui, par leur culture et par leur spécificité. On veut un ensemble homogène d'agents liquides mobilisables pour l'économie. Donc on va rendre monstrueuse... Je me permets de te couper, Alexandre, parce que là, on t'a tous perdu. Parce que je pense que tu réponds à une question sur une autre conférence. Ah, bah zut. C'était intéressant, c'est pour ça qu'on te laissait. Non, mais moi je suis un couteau suisse. Non, mais en fait, je crois que tu as cliqué sur le bon canal, mais tu as oublié de descendre tout en bas. Parce que du coup, c'est la question qui a été posée à Thomas Babor hier, qui parlait de religion, athéisme et laïcité. Alors, c'est qui commence par pas de questions, merci. Les questions qui te sont destinées, c'est celles à partir de RP 87. Du coup, c'est quoi la réaction pour une question raciste d'appartenance? RP 87. Après, j'ai pas compris cette question perso, mais c'est vraiment tout en bas. T'as peut-être dans question amphi 2. Hein. Je sais pas si t'es aussi, encore une fois au bon endroit aussi. Alors, je suis dans question amphi 2. Descends vraiment tout en bas. Si je peux recontextualiser la question, je me suis mis dans la cuisine pour pas déranger les enfants qui dorment. C'était une question que j'avais posée par rapport au fait que sur le terrain. Que mentionnait Alexandre, la question pour considérer l'anthropologue comme ouais, ok, il fait partie de mon groupe, je peux lui causer, c'était une question raciste. Du coup, la question, c'était plus une question méthodo. Du coup, pour l'anthropologue, c'est quoi la réponse à ce genre de question-là? Tu sors une autre banalité, mais qui change de sujet. Tu te dis, oh, le prix du café a vachement augmenté. Et là, il va comprendre que tu n'es pas raciste, un, et deux, que effectivement, si, tu fais quand même partie du groupe, ça va. Merci. Non, mais vraiment, c'est des trucs et astuces. Hein. Où tu réponds avec bonhomie, oh oui, bon monsieur. C'est pas là qu'on va discuter de. En fait, ce qui est dit à ce moment-là, c'est est-ce que tu veux intégrer ou est-ce que tu veux pas intégrer. Voilà. Et en gros, tu réponds exactement de la même manière, avec un gros clin d'œil si possible, et normalement, ça passe. Alors on continue. Alexandre, comment te positionnes-tu vis-à-vis de la loi sur le secret des affaires et vis-à-vis de la volonté de marchandisation des informations de santé personnelle? Alors, sur ces deux choses complètement différentes, la loi sur le secret des affaires, c'est... En fait, je pense qu'il faut s'y opposer parce que c'est insupportable, d'abord. Qu'on puisse faire n'importe quoi à partir du bien commun, c'est complètement insupportable. Mais par ailleurs, que c'est complètement compréhensible dans le pack. En fait, moi, je rattache ça, dans le fond, en Europe. Hein. Vraiment aux croyances primitives de l'ordolibéralisme, qui disent pas il faut le secret des affaires, mais qui disent il faut, je vais utiliser une formule un peu abstraite, mais je vais expliquer, constitutionnaliser le droit privé. Ce qui doit primer, c'est le droit privé. Et on doit le faire rentrer dans la Constitution pour l'extraire du risque de la démocratie.
Le risque de la démocratie, c'est par exemple une presse qui regarde et qui vient dire « mais telle chose est scandaleuse, telle chose ne rentre pas dans nos modes de régulation de conflits, telle chose ne rentre pas dans notre mode de répartition des richesses, telle chose ne rentre pas dans la loi ». Donc voilà, dans le fond, c'est parce que c'est une posture qui pense que l'activité économique est si sacrée, il faut la sanctuariser, la mettre à côté, par exemple, dans la BCE et plus dans les gouvernements. Et c'est vraiment ça, c'est le monde des affaires doit être en dehors de l'aléa démocratique. C'est vraiment comme ça que je le vis. Ça ne me semble pas du tout être un point de détail, ça ne me semble pas être un point technique, ça ne me semble pas être un point qui réellement touche le bon fonctionnement des affaires ou la prospérité pour peu qu'il y en ait qui veulent créer de la croissance. Je pense que c'est un point qui s'adresse vraiment à l'idée de sanctuariser la vie de l'économie par rapport aux aléas que représente la démocratie. Maintenant, la volonté de marchandisation des informations de données de santé personnelle. Alors, d'abord, je remarque un truc, c'est que on ne donne quasiment jamais la possibilité aux gens de vendre leurs données eux-mêmes. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que c'est pas une volonté de marchandiser les informations de santé personnelle. Je vous assure que les gens qui développent ça, moi je sais, je les ai interviewés, évalués, sont pas du tout dans cette démarche-là. Voire même, ils vont se draper dans l'idée de rendre un service pour augmenter la possibilité de maintien en autonomie à domicile dans de bonnes conditions. La volonté de marchandisation des informations de santé personnelle, c'est un petit peu comme la robotique d'ailleurs, la spéculation bancaire et institutionnelle sur une technologie. On a créé des capteurs, on a créé des fonctionnements pour alimenter de la base de données et traiter des bases de données considérables. On cherche des applications, on investit dessus. C'est pour moi, ça n'est que ça. C'est de la logique quasiment boursière appliquée au social et à la santé. Et très marginalement, certaines institutions, parce qu'elles sont très démunies, vont s'appuyer sur telle start-up ou sur tel truc qui sera financé par de la finance, justement, par des banques, par des institutions, pour quand même, à côté, déployer un petit service. Je vous donne un exemple. Il y a un département qui n'a plus du tout de pognon. Comme on est écouté par Big Brother, je ne vais pas tout dire. Il n'a pas du tout de pognon, il ne sait plus du tout comment déployer des choses. Il remarque qu'il y a beaucoup de précarité énergétique chez lui. Bon, il se dit, tiens, comment je vais financer la détection de la précarité énergétique? Eh bien, en acceptant que mes vieux soient, et on va intégrer ça dans un programme départemental, soient monitorés sur tel ou tel aspect. Et comme je sais qu'il y a une corrélation entre fragilité d'un côté et précarité énergétique, je vais détecter beaucoup plus de situations de précarité énergétique, donc je vais laisser beaucoup moins de gens dans la merde. Donc en gros, c'est de la spéculation boursière, c'est une bulle, c'est vraiment une bulle. La silver economy, c'est une bulle. Vous n'imaginez pas à quel point. Le jour où elle pète, d'ailleurs, ça va être intéressant. Et par ailleurs, de l'opportunisme de certains acteurs qui, dans une situation de gestion de la pénurie de moyens, essayent de rebondir là-dessus. Voilà. Alors, est-ce que je continue ou est-ce qu'il y a une question orale qui vient? Je pense que tu peux continuer, a priori. Ok. Alors, RP87, du coup, c'est quoi le biais épistémologique de ce consulting anthropologique? Est-ce qu'il n'y a pas des dépendances trop fortes aux clients des études que tu produis? Ouais, si, c'est un vrai risque. La seule réponse qu'on peut apporter pour mitiger ce risque, c'est d'avoir plusieurs clients, toujours plusieurs clients. Et de garder les clients qui sont capables de se prendre des beignes. De ne prendre de clients que ceux qui sont capables de vraiment se prendre des résultats qu'ils ne souhaitaient pas avoir. C'est comme ça que je fonctionne. Et chez des clients historiques qui pourraient vous surprendre, par exemple, je travaille beaucoup pour le groupe Dorcel, régulièrement. Mais quand je dis je travaille pour, c'est étonnant. Lui me pose des questions sur la sexualité des Français, ou me demande d'accompagner telle ou telle étude. À chaque fois, je lui ai apporté des résultats qui sont très déstabilisants pour lui, qui n'ont rien à voir avec ce qu'il attend. Et en même temps, il vient me revoir et il me repose des questions, ce qui fait que moi, je vais lui apporter des choses qui ne pourra pas publier parce que ça ne rentre pas du tout dans son discours. Mais donc, dans une position comme ça de Sharpay, de 10 heures de vérité pas bonne à entendre, tu peux trouver des partenaires qui sont très très bien. Tu
peux aussi saisir des moments dans des institutions, ou un moment où une institution sait qu'elle a fait de la merde, elle a besoin de toi pour la corriger. C'est des très courts moments, mais ça peut arriver. Donc voilà, les mitigations, c'est garder les clients qui sont prêts à te laisser un maximum de latitude, changer de client régulièrement, et en avoir toujours beaucoup et pas qu'un seul. Mais tu as raison. Tu as raison. Il y a une dépendance qui se crée. Et c'est pas tant une dépendance qu'en fait, l'habitude de répondre aux mêmes questions. Tu peux orienter trop fort ta perspective, sachant que moi, je les utilise toujours, non pas comme des fins, mais comme des moyens. Tous ces terrains-là, moi, me permettent de faire du terrain partout en France tout le temps pour servir mes conférences de traversée. Il n'y a que ça qui m'intéresse, en fin de compte, en fin d'analyse. C'est une vraie compréhension de ce qui peut faire culture en France, qui est un travail que je vais mener toute ma vie. Donc ça me permet de nourrir ma famille, de participer pardon, à cet effort-là pour nourrir la famille. Et puis, de faire du terrain en étant payé pour ça. Alors, je reprends une question que j'avais postée dans l'ampli précédent, en mise au goût de ce que tu viens de dire. N'est-ce pas compliqué de s'extraire si on souhaite ce monde d'informations? On peut par exemple s'engager politiquement ou même sinon intérêt social. Si, c'est difficile. C'est difficile, c'est très difficile. Et c'est ça qui démontre que c'est un fait social. Le traitement actuel de l'information, c'est très difficile de s'en extraire. Je pense que le mieux, c'est de modérer sa consommation, mais surtout d'avoir cette morale par provision. Une information n'est qu'une information. Et je peux la laisser devant moi, l'avoir lue, sans l'intégrer, sans la recevoir. Je peux la laisser dehors. En fait, on le fait tout le temps. On reçoit sans arrêt des informations qu'on laisse dehors. Que ce soit parce que c'est des données inconscientes, des informations qui arrivent dont on ne prend pas conscience, ou parce qu'on la zappe. Quand vous lisez le site de Libé, Le Monde, Le Figaro, L'Humanité, tout ce que vous allez lire une toute petite partie des articles, il y a beaucoup d'informations que vous allez laisser de côté. Donc si c'est extrêmement difficile, de manière paradoxale, quand vous avez une lecture de l'information très informée. Quand vous lisez, par exemple, juste avant la dernière grosse crise des subprimes, au hasard de telle page du Figaro Saumon trouvée dans un aéroport que l'Union européenne déploie je ne sais plus combien de milliers de milliards sur le marché interbancaire, vous comprenez que là, il va y avoir une crise monstrueuse et que ça ne sert à rien d'essayer de trouver du boulot à tel ou tel endroit, à tel ou tel moment. Cette information-là vous marginalise. Donc c'est très difficile de ne pas être exactement dans le niveau d'information. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. Alexandre, ouais. Ils viennent de lancer la conclusion sur l'amphi principal. Ouais. Est-ce que, désolé de t'interrompre, mais est-ce que ça vous intéresse qu'on aille écouter ça avant de reprendre les débats après? Allô? Oui, mais c'est moi, vous. Ben oui, vous, c'est tout le monde en fait. Ça vous dit, on va vite fait dans l'amphi principal dire merci, au revoir, tout ça. Et on revient après. Ben moi, je serais assez favorable qu'on y aille et puis qu'on s'organise d'autres ateliers. Carrément, avec plaisir. Voilà. Merci en tout cas, Alexandre. C'est pour moi. Eh ben, merci à vous, c'était génial. On se retrouve dans l'amphi conclusion. Parfait. Okay, ça marche, mais ça ne veut pas dire que c'est fini, hein. Tu peux rester et tout. Enfin, même, je t'encourage, je t'avais dit autant de temps qu'il faut pour discuter après. Donc, comme je te dis, il n'y a pas de problème. Je tiens juste à le repréciser. Voilà, c'est juste pour pouvoir clôturer le stream et puis poursuivre sur des conversations. D'un autre genre. Bon, pas du genre d'Orcel, mais... Non. Allez-y. Attends, je te retransfère, t'embête pas.